Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel coiffure. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, youhou! Et je voulais une coiffure assez simple et à la fois sophistiquée. Alors j'ai opté pour cette coiffure, c'était chignon bas, comme ça, avec un updo à l'avant, comme ça, en mode pin-up, voilà les styles. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai réalisé cette coiffure qui est assez simple à faire. Alors, si vous êtes intéressé, restez connectés. Cette coiffure est vraiment, vraiment simple à réaliser. Après avoir hydraté mes cheveux, j'ai fait de grosses vanilles et je les ai attachées avec un fil de laine, comme ça, pour les tenir étirées toute la nuit. Aujourd'hui, à mon réveil, j'ai défait mes vanilles, puis avec mon peigne, j'ai peigné mes cheveux pour avoir des cheveux en boule, en mode afro boule. Je vous mets les photos tout de suite. Voilà. Et après avoir peigné mes cheveux bien équitablement, j'ai séparé mes cheveux en deux. Une plus grosse partie comme ça à l'arrière et une toute petite partie que j'ai gardée à l'avant. À l'aide de mon fil de laine, je viens faire un petit chignon, mais je le fais très bas. Je le fais bas, voilà, mon chignon, et je viens attacher mon fil plus ou moins. Je l'attache, je ne serre pas trop, et je fais un petit nœud pour pouvoir le défaire plus facilement plus tard. Voilà. Voilà, mon chignon est déjà fait. Ensuite, les petites la partie de devant, à l'origine, c'était un fro-auc, mais puisque j'ai cours le soir, pour éviter qu'il y ait trop, que mes cheveux ne s'en mêlent trop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par faire deux petits chignons. Voilà. Je prends de petites portions, comme ça, et je viens nouer, je viens relever la petite portion comme ça, puis je rabats pour faire un petit nœud et avec mes épingles, je viens sécuriser. Je vais faire la même chose pour toute ma tête.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.